Anka ala tanu kabara sebeke kabare kada andaba alaye kasali chaya ala tiraka yasa anahera sorokiyama shokere kaere baraya ikramu kadana. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum, chers téléspectateurs de la MTA francophone, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, le sujet que nous aborderons concerne le vivre ensemble dans une société cosmopolite. Les invités d'aujourd'hui, on a Mourabi Soro Alassane et Shérif Mamadou, Kaï du district d'Abidjan. Assalamu alaikum à vous, chers invités, et soyez les bienvenus. Merci. Alors, comment vivre dans une société cosmopolite? Sachant que le monde lui-même est une masse composée de différences, différences de couleurs, différences de langage, différences. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le vivre ensemble dans une société cosmopolite. Alors, comment vivre dans une société cosmopolite, Monsieur Shérif Mamadou? Ok, alhamdoulilah, merci le frère Djabi. Et le sujet aussi est très intéressant. Comment vivre dans une société cosmopolite? Il faut dire qu'aujourd'hui, toutes les nations font face à ce problème. Par le mot cosmopolite, j'attends bien par là l'ensemble de plusieurs ethnies qui vivent ensemble. Voilà. Donc, là où les ethnies, où il y a plusieurs ethnies qui vivent ensemble, cela ne peut pas se passer sans qu'il n'y ait quand même des petits discours, des petits différends. Okay. Voilà. Là où plusieurs ethnies vivent ensemble, il arrive des fois qu'il y ait des différends. Mais si les différends arrivent, si ces différends parviennent, il faut trouver des moyens, bien sûr, pour les résoudre. Voilà. Je pense que nous aurons l'occasion de rentrer dans les détails. D'accord. Parce que, comme je l'avais dit, le monde aujourd'hui, on dit que le monde est devenu un village planétaire. Ouais, ouais. Qui parle de village planétaire parle d'ethnies variées où il y a des mouvements tout de personnes. Okay. Donc un pays, il n'y a pas de pays aujourd'hui où il n'y a pas d'étrangers. D'accord. Où il n'y a pas de personnes qui quittent ailleurs pour venir mener des activités dans ce pays. D'accord. Est-ce que, du point de vue religieux, est-ce que l'islam accepte le vivre ensemble? Le brassage culturel et le vivre ensemble. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous voyons les exemples du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand il a quitté la Mecque, Béni, à Médine. Il y avait plusieurs personnes qui étaient là, plusieurs nations qui vivaient à Médine. Par exemple, on avait des Juifs, on avait des chrétiens, on avait des gens même qui ne croyaient pas en Dieu, qui adoraient des cailloux, des bois, des idoles. Mais le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas condamné ces derniers ou soit les chassés, quitter Médine. D'accord. Pourtant, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était le chef de Médine. D'accord. Tout le monde était unanime qu'il est le chef de Médine. D'accord. Mais excuse-moi, puisque déjà, si c'est-à-dire, là on peut dire qu'ils sont composés de différentes... Il y a différences religieuses, différences aussi du point de vue peut-être ethnique. Bon, là-bas, on va parler de juifs, des chrétiens, des musulmans. Est-ce que, tout comme aussi, on peut prendre le cas de la Côte d'Ivoire, où il y a des Baoulés, des Agnis, des Djoula, des Malinkés, est-ce que souvent, ça n'entraîne pas qu'ils rentrent en conflit, au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'arrivait pas que des ethnies ou bien des visions religieuses s'opposent et ça crée des chocs entre eux? Évidemment, oui. Ça me rappelle une fois, Hazrat Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu a eu des conflits avec un juif sur un problème où le juif a dit: je jure par le Dieu de Moïse, Moïse qui est le sceau des prophètes, qui est mieux que tous les prophètes. Hazrat Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, il dit: non, ne dis pas ça. Je jure par le Dieu de Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
qui est le sceau des prophètes, qui est mieux que tous les prophètes. D'accord. Le juif a été choqué et il a allé voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, oui, Abu Bakr a réellement abusé mes sentiments. D'accord. Parce qu'il a dit que le prophète de l'islam est mieux que Hadrat Moussa alayhi salam. D'accord. Pourtant nous savons très bien que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le sceau des prophètes. D'accord. Dieu l'a appelé dans le Saint-Coran Khatamun Nabiyyin, qui veut dire le sceau des prophètes. Regardez la réponse que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné à Abu Bakr. Il dit, yes, la tufaddiluni ala Moussa. Ne dis pas que je suis plus supérieur que Moussa. D'accord. Juste pour ne pas blesser les sentiments du juif, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Juste pour protéger la paix, d'accord, cohésion sociale. Préserver la paix en fait. Préserver la paix, oui, et cohésion sociale. C'est le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à Hazrat Abu Bakr, ne dis pas ça aux juifs. D'accord. Est-ce que, M. Chérif, en Côte d'Ivoire, est-ce que ça crée souvent des tensions entre les peuples? Oui, effectivement. Si je me base sur les dits de Maulvi, je comprends par là que le cosmopolitisme peut s'élargir. D'accord. Au niveau de la croyance, d'accord, il y a plusieurs croyances. D'accord. Au niveau même culturel, d'accord, il y a plusieurs cultures qui... Chacun vit avec sa culture, d'accord, sa croyance, sa manière de vivre. D'accord. Donc, deux personnes dans une même maison, forcément, il y aura des moments où deux personnes dans la même maison, d'accord, il arrive qu'il y ait des petits différends. D'accord. Donc, ce n'est pas un groupe de personnes ou des ethnies qui vivent ensemble qu'il n'y aura pas de problème. D'accord. Mais là où il faut mettre l'emphase, c'est le mode de résolution des problèmes. D'accord. Voilà. Il faut trouver un moyen paisible pour pouvoir résoudre les problèmes. D'accord. Et sans cela que le cosmopolitisme peut être facteur de développement. D'accord. Parce que chacun vit avec sa richesse, son intelligence, sa faculté, okay, pour apporter un plus à, d'accord, l'économie du pays. D'accord. Donc je pense que... En fait, ce que vous voulez dire en fait, oui, tant que le cosmopolitisme, oui, sera une chose d'émise dans, oui, une société, oui, il va toujours avoir des petites querelles, des petits conflits. Mais ce qui est essentiel en fait, c'est d'établir une loi, c'est-à-dire qui va légiférer la société. Effectivement. C'est ce que vous voulez dire. Il faut aller même très loin en Côte d'Ivoire. Okay. Nous avons le système des alliances. D'accord. Voilà. Il y a des peuples qui sont alliés. D'accord. Il prend, par exemple, le Sénoufo, okay, et un Yacouba. Okay. S'il y a un problème entre un Sénoufo et un Yacouba, on ne peut pas, dans la culture africaine, on ne peut pas sauter l'alliance, d'accord, le mode de résolution par l'alliance, okay, pour aller se plaindre au commissariat. Okay. Il faut d'abord consulter, il faut passer d'abord par la résolution culturelle, la, d'accord, résolution par l'alliance, okay, pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. D'accord. Donc, je pense que le cosmopolitisme, dans son ensemble, avec ses variétés de modes de résolution des problèmes. Mais en fait, Mourabi Soro Alassane, vous avez dit tout à l'heure que le prophète Mohammed Sallallahu Alayhi wa Sallam, de son temps, il vivait avec les chrétiens, il vivait avec les juifs. Mais comment comprendre le fait qu'on assiste à des personnes qui se réclament musulmans, qui refusent l'idéologie de certaines personnes qui sont différentes d'eux? Comment vous justifiez cela? Vous voyez que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vécu avec tous ces gens, les juifs, les chrétiens et même ceux qui adoraient les idoles. Oui. Sans avoir de problème avec eux. Oui. Au contraire, c'est eux qui ont torturé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était contre lui et qui faisait des plans avec les ennemis de l'islam, avec les ennemis du prophète Mohammed sallallahu, d'accord, alayhi wa sallam. Nous voyons que tout ce que le prophète a fait, il n'a pas fait quelque chose contre ces gens-là. D'accord. Ça me rappelle qu'une fois, il y a des chrétiens qui sont venus voir le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour des discussions religieuses dans la mosquée. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il était l'heure de la prière, les juifs voulaient prier, et les chrétiens voulaient prier. Oui. En fait, ils ont demandé de sortir dehors pour aller prier. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, priez ici, le Dieu aussi est dans la mosquée. Pourquoi vous voulez sortir pour aller faire votre prière dehors? Vous pouvez prier dedans. Alors, si c'est ça l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne, on peut vivre avec quelqu'un qui n'est pas de même religion avec nous,
qui n'ont pas de même vision de Dieu que nous. On peut vivre ensemble, mais quand ça vient, on peut protéger notre religion, on peut protéger notre foi, mais de façon paisible. Pas les forcer d'accepter notre religion parce qu'ils ne pratiquent pas la même religion que nous. On n'a pas besoin de manger avec eux, on n'a pas le droit de boire avec eux, on n'a pas le droit de faire, comment on appelle, commerce avec eux. D'accord. Non, l'islam n'enseigne pas ça, le saint prophète de l'islam n'enseigne pas ça. Mais est-ce que cela, quand même, je veux savoir, est-ce que c'est écrit quand même dans le Coran? Parce que je ne peux pas comprendre que tu te réclames d'une chose, tu lis, c'est-à-dire ce qui t'est précieux dans cette chose, et puis tu commets des actes qui sont différents, des préceptes, que ce que tu prétends être sacré te demande. Je n'arrive pas à comprendre. Nous avons très bien, Dieu dit la ikrafidin, il n'y a pas de compulsion en matière de religion. On ne doit pas contraindre quelqu'un d'accepter notre religion. Alors, on peut prêcher notre religion, on peut montrer la beauté de notre religion, on peut montrer la beauté de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a apporté à l'humanité. D'accord. Mais on ne peut pas forcer quelqu'un d'accepter la religion. Dieu dit dans le Saint-Coran, « Faman sha'afal yu'min, faman sha'afal yakfur. » Celui qui veut qu'il croit et celui qui veut qu'il rejette. D'accord. Là, c'est... Je voulais faire un additif à ce que Mohammed a dit. À écouter Molvi, je comprends par là que les âmes qu'il a évoquées de suite, je comprends par là que la notion de paix et cosmopolitisme fait appel à la tolérance. Parce qu'on ne peut pas vivre dans un milieu varié sans qu'on ne se tolère. Voilà. Or, la tolérance est une valeur essentielle. D'accord. Pour qu'il y ait le vivre ensemble. Pour garantir la paix, il faut la tolérance. Parce que l'humain est rempli de défauts. Tout à fait. Voilà, nul n'est parfait. Nous commettons tous des erreurs. D'accord. Donc pour pallier, pour résoudre ces problèmes, et pour surmonter ces difficultés qui nous arrivent dans le vivre ensemble, il faudrait que nous soyons tolérants. Ok. Voilà. Mais Kaïd, en qualité de Kaïd du district d'Abidjan, sachant que quand même, la Côte d'Ivoire a connu une crise. Effectivement. Okay? Et qu'au sein de la communauté dont nous sommes, il y a quand même des gens de tous bords, qu'ils soient Bété, Djoula, qu'ils soient de toute ethnique. Oui, oui. Voilà. Comment est-ce que vous arrivez à maintenir quand même la fraternité entre eux? Vous savez, au sein de la Djamat, on ne fait pas de la politique. D'accord. Mais effectivement, c'est pour cela que l'imam Ali est arrivé. L'imam Ali est arrivé pour réunir tout le monde. D'accord. Voilà. Donc, au sein de la Djamat islamique en Côte d'Ivoire, il y a toutes les ethnies. D'accord. Tous les partis politiques ont leurs membres qui sont à Mali. D'accord. Mais au sein de la mission, on ne fait pas de la politique. Raison pour laquelle, d'ailleurs, la mission soutient des actes qui renforcent le lien fraternel dans la société. Effectivement. Je crois que le 15 novembre, vous avez fait une marche de la paix. Oui, effectivement, la mission. Effectivement, la mission. On avait des Bété, des Burkinabés, en tout cas des gens de tous bords, tous ceux qui étaient sur le sol ivoirien, voilà, qui se réclament de la communauté islamique, ont marché. C'est ça. C'est quand même un bel exemple, là. C'est ça, c'est un exemple. La philosophie même, notre. Quelle initiative? Voilà. Parce souvent, on voit des populations qui sont sinistrées. Oui. La communauté, quand même, est à leur côté. C'est quand même fantastique. Oui. Vous nous parlez de ces actes, quand même. Effectivement. Au sein de la Djamat, nous avons l'ONG Humanity First qui œuvre en ce sens. D'accord. Donc, déjà, nous voyons très bien que la Djamat œuvre pour enrichir la notion du. Ce que j'aimerais savoir, missionnaire. Est-ce que vous arrivez à apaiser quand même les populations dans vos prêches, dans vos sermons? Est-ce que vous arrivez à rentrer en contact avec ces populations pour maintenir le tissu social dans le savoir-vivre? Pardon, pas le savoir-vivre, mais dans le vivre ensemble. Merci bien, monsieur Chéri. Oui, nous prêchons la paix. D'accord. Nous prêchons les chrétiens. D'accord. Nous prêchons les juifs. Nous prêchons ceux même qui ne sont pas des musulmans. D'accord. Mais ça, c'est notre devoir. D'accord. De prêcher le message de l'islam. D'accord. Comme dit le Coran, Ta'ala ila kalimatin sawa in bainana wa bainakum. D'accord. Si nous prêchons aux chrétiens, d'accord, nous disons que oui, venez, nous discutons la religion. D'accord. Mais nous ne sommes pas contre vous. Nous voulons juste initier
est l'adoration du Dieu unique. D'accord. Alors, c'est ça notre problème avec les chrétiens. Mais dans la société, d'accord, on n'a pas de problème personnel avec les chrétiens. Mais quand ça vient sur côté religieux, donc nous sommes obligés de les montrer le vrai les vrais enseignements de la religion, d'accord, de notre religion et de leur religion, ce qu'ils adoptent comme quelque chose qui n'est pas de leur religion. D'accord. Mais ça, c'est notre devoir à nous. D'accord. Mais on n'est pas contre eux, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas vivre avec eux, on n'est pas contre quelqu'un, d'accord, mais nous prêchons que la religion. On a vu que cette année, par exemple, la communauté quand même a distribué assez de livres, c'est-à-dire le livre du cinquième calife, que Dieu l'aide dans sa tâche, notamment le livre titré « La crise mondiale et la paix ». Oui, effectivement, il y a eu une mobilisation autour de ce livre. Il y a eu la distribution à tous les niveaux. Les livres ont été envoyés dans toutes les régions. Les préfectures, les sous-préfectures, d'accord, les mairies ont reçu, d'accord, des livres. Mais pourquoi cette action de grande envergure? Justement, j'allais en venir. Voilà, parce qu'on a compris qu'il faut distribuer ces livres en quantité pour que les gens comprennent l'importance de la paix. Okay, ce que la paix peut avoir, la nécessité de la paix. C'est l'objectif qui est là. Okay. Pas forcément pour qu'ils deviennent amadis, mais pour qu'il y ait une société stable, pour qu'il y ait paisible, parce que nous venons de sortir d'une crise. Tout à fait. Donc, ce livre vient à point nommé pour quand même nous aider à comprendre, à travers la lecture, à comprendre l'importance de la paix. Okay. Et alhamdoulilah, le livre a été distribué dans toutes les régions. D'accord. Les missionnaires ont distribué le livre dans tous les quatre coins de la Côte d'Ivoire. D'accord. Je pense que... Donc, missionnaire, est-ce que l'islam permet, par exemple, la liberté d'expression, la liberté de mouvement, la liberté d'opinion? Est-ce que l'islam cautionne ça? Pourquoi pas? Si l'islam donne permission à tout un chacun de s'exprimer, de pratiquer sa religion, sinon quand le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu à Médine, qu'il est accepté par les gens de Médine comme le chef, il pouvait dire, si tu n'es pas musulman, tu sors de Médine. D'accord. Si tu es juif, il faut sortir. D'accord. Si tu es chrétien, il faut sortir. D'accord. Si tu es quelqu'un qui adore quelque chose d'autre que le Dieu de l'islam, il faut sortir. Oui. Mais le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait ça, il a accepté tout le monde et il les a appelés ensemble. Venez, nous allons défendre Médine. D'accord. S'il y a un groupe qui vient attaquer les juifs, nous allons sortir tous, que tu sois chrétien ou quelqu'un qui adore des cailloux, ou soit tu sois un juif, un majus, on va sortir pour défendre les juifs. D'accord. Si quelqu'un vient nous attaquer aussi, on va tous venir ensemble pour pouvoir défendre ce dernier. Voilà comment le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vivait avec ses gens à Médine. Donc on ne peut pas dire l'islam ou le saint prophète de l'islam, quand tu n'es pas musulman, on ne peut pas vivre avec toi, on ne peut pas faire la paix avec toi. Okay. Là, ce n'est pas les enseignements du saint prophète Mohammed. Monsieur Chérif, j'aimerais bien que vous essayiez de dire de façon succincte quelles peuvent être les bases d'une société, les bases qui peuvent apporter la paix dans une société cosmopolite. Dans une société cosmopolite, les bases d'abord c'est d'accepter l'autre. D'accord. Voilà, il faut accepter l'autre et ne pas penser qu'on est supérieur à l'autre. D'accord. Même s'il est étranger. D'accord. Voilà, il faudrait que la loi soit juste pour tout le monde. D'accord. Il faut que la loi soit juste pour tout le monde. Ok. Et ne pas faire de discrimination. Okay. Parce que du moment où je dis que je suis supérieur à toi, okay, tu es frustré. Effectivement. Voilà. Donc Missionnaire vient de donner un exemple. Même. C'est ça. C'est vrai. Donc, il faut éviter ce genre d'expression. D'accord. Il faut aussi cultiver la tolérance. D'accord. Il faut cultiver la tolérance. Okay. Mais il faut passer aussi par des actions. Il ne faudrait pas que ce soit des discours. Mais dans notre quotidienneté, il faudrait qu'il y ait des actions qui abordent, oui, des actions qui vont dans le sens de la cohésion sociale. Voilà. Et... Parce que nous sommes déjà ensemble. D'accord. On vit ensemble, okay, on ne peut plus se séparer. D'accord, nous sommes obligés donc de vivre ensemble. Nous sommes obligés donc, de vivre ensemble. Condamnés donc à respecter les uns et les autres dans les manières aussi de fonctionner. De fonctionner, c'est ça. D'accord. On n'a pas de choix. D'accord. Missionnaire, dans votre conclusion, puisque l'émission vient à sa fin, je souhaiterais que vous me dites de façon succincte, parce que le Coran est vaste, quelques préceptes qui peuvent amener une paix durable dans la société. Nous voyons que pour la paix dans nos sociétés, pour les musulmans, d'accord, on n'a que
le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a copié. Si nous copions le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on n'aura pas de problème. D'accord. Si nous copions ce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, on aura des solutions à nos problèmes. D'accord. Pourquoi aujourd'hui les musulmans souffrent? Parce qu'ils ont refusé le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand je dis le saint prophète, je vais dire, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prophétisé que le Messie alayhi salam viendra renouveler la religion. Alors si nous refusons le Messie premier alayhi salam, nous refusons ces califes, nous allons toujours avoir des problèmes quand on n'aura pas de solution. Nous voyons aujourd'hui que les Ahmadis, on n'a pas de problème avec la paix. Nous avons un calife qui va dans tous les parlements européens, qui prêche la paix, qui écrit les lettres à tous les leaders du monde pour dire de faire promotion de la paix. Alors, nous invitons tous les musulmans, que tu sois musulman ou pas, que le Messie alayhi salam est arrivé, acceptons-le, acceptons ce calife. Nous allons avoir une paix durable dans nos différentes sociétés. Inch'Allah. Monsieur Chérif, vos derniers mots? Oui, dernier mot, je pense que Molvi a déjà tout dit. D'accord. Nous encourageons. Molvi a abordé dans le sens religieux, mais moi j'aborde dans le sens sociologique. D'accord. Étant donné que nous sommes dans une société variée, et il faudrait que la loi soit juste pour tout le monde. D'accord. Et que ce qui est mis sur place, il faudrait que ce soit respecté par tous. D'accord. Alors, il ne faudrait pas qu'il y ait violation de la Constitution. Et quand tu ne fais pas partie d'un pays que tu es étranger, il faut aussi respecter la loi. D'accord. Voilà, sans cela qu'il y aura vraiment la paix. Okay. Voilà. Merci bien à vous. Chers téléspectateurs de la MTA francophone, pour nous, les Ahmadis, le fait qu'on ait un chef, c'est-à-dire le calife que Dieu l'aide à sa tâche, ça nous suffit déjà pour nous guider. Nous guider parce que tout passe par lui, les décisions à prendre passent par lui. Quand il dit aux Ahmadis de se coucher, ils se coucheront. Quand il leur demandera de se lever, ils se lèveront. Et d'une seule voix, quand une communauté est régie ainsi, c'est sûr que la paix sera une réalité dans cette société donnée. Chers téléspectateurs, soyez des ambassadeurs de paix dans vos localités. Sur ce, je vous dis Jazakallah à vous qui êtes venus. Jazakallah, chers téléspectateurs, ainsi prend fin cette émission. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anka ala tanu kabara sebeke kabare kada andaba alaye kasali chaya ala tiraka yasa anahera soro kiyama shokere kaere baraya